Le championnat de France de football par une victoire, sans jamais avoir forcé leur talent, les champions de France se sont imposés hier au stade du Rail face à Nice 1-0 grâce à un but d'Abedi Pelé inscrit à la 42e minute. La fête des Niçois fut quelque peu ternie par cette défaite, mais un remarquable état d'esprit régna sur le terrain. Se défoncer sans être agressif, telle était la devise de Jean-Noël Huc. Je pense qu'on n'a pas vraiment joué parce que finalement on a trop respecté, ou alors on a trop respecté l'adversaire, ou on a été trop impressionné. Mais ça trottait tellement dans la tête des joueurs de ne pas blesser, de ne pas dire l'OGC Nice a gâché la Coupe d'Europe. Alors je crois qu'on a levé le pied même trop. Après ce journal, vous pourrez suivre un résumé de 45 minutes de cette rencontre, commentée par Gilles Chevalier. Une rencontre qui a causé de nombreux embouteillages en fin d'après-midi aux alentours du stade, où il n'était pas toujours facile de se garer. Sur l'autoroute entre le péage de Saint-Isidore et la sortie Nice-Nord, il y avait près de 8 km de bouchons et les automobilistes sont restés bloqués pendant plus de 2 heures. Fort heureusement, pour eux, ils sont arrivés à l'heure au stade. Ce match Nice-Marseille était aussi la fête de Michel Vautreau, dont c'était la dernière apparition hier soir en qualité d'arbitre. En d'autres temps, on parlerait de tentative de corruption avant match, mais c'était là le couronnement d'une carrière. Et jusqu'au bout, Michel Vautreau fut impérial. Vautreau au petit trot, Vautreau paternel. L'arbitre s'est fait taper sur les doigts. J'ai été taclé par derrière et puis je me suis dit, il y a un ongle qui a été abîmé. Alors voilà, c'est encore un joueur qui a voulu se venger. Mais il est resté star et simple jusqu'au bout des doigts. Un but de Pelé sans problème. Un mouvement d'humeur de Bocandé sans conséquence. Je l'ai un peu bougé un peu, comme ça, c'est le coup de revoir que je lui faisais. C'est pas méchant. Et puis en plus, t'as raison, il est pas bon celui-là. C'est lui qui devait partir en retraite. Hein. C'est pas grave. Ce match de championnat fut amical. Oh ben, c'est pas grâce à moi, mais c'était le match idéal pour terminer. Il a très bien arbitré, les deux équipes se sont respectées et c'était un match très correct. À part le pénalty qui nous a pas sifflé en 82 contre Reims, c'est un mec fantastique. Au-delà des coups de gueule, au-delà des erreurs, quand l'amitié sportive peut exister, c'est quand même quelque chose, on aura fait un pas énorme. C'est toujours comme ça que j'ai milité et sans le vouloir, j'ai vu que cette amitié était là ce soir. Et le train de l'amitié pour Besançon l'attendait en gare de Nice. 600 supporters pour un arbitre du jamais vu. Michel Vaud.